Et là, on repart. Et là, on repart. Je sais pas si... Si je retourne taper sur ce monsieur. Ce monsieur ne m'avait rien donné, de toute façon. On va juste continuer, je pense. Par là. Par là. Du coup, par là. Levier, j'imagine. Ouais, tirer le levier. Et je pense que la suite du château, c'est par là. Bon. Attention parce que j'ai quelques runes quand même. On va pas les perdre bêtement. Alors qu'est-ce qu'il y a ici? Pas de ptérodactyle? Non. C'est quoi qui fait ce bruit là? Des petits poux. Et là-bas, il y a un scarabée. Et potentiellement un site de grâce. Mais il y a quelque chose ici. Je vais peut-être aller voir les... Est-ce que je peux prendre mon poney? Non, je peux pas prendre mon poney. Bah non, je suis à l'intérieur. D'accord. Saut nécessaire droit devant. Ah oui, pour aller là. Ça passe? Ça passe? Ça, ce sont juste des oiseaux. Je sais pas où je suis. Par ici, à quoi? Ah d'accord, donc ça je peux aller le chercher je pense. Ça c'est bien, c'est toujours intéressant de ramasser ces trucs là. Par contre oui, je sais même pas si ça c'est la suite, non ça doit pas être la suite. Je prends la fleur. Pierre de forge c'est toujours bien. Même si les pierres de forge 1 du coup ne me serviront plus sur cette arme là. Attention droite. Ah oui, effectivement. Il y a un monsieur qui dort. C'est pas une zone que j'avais déjà faite, ça. J'ai des cailloux. Ah. Ça a pas l'air très intéressant de faire ça. Enfin, pas très intéressant, ça a pas l'air très utile, on va dire. Et puis surtout, je vais où? Ah, il y a des trucs en bas. J'ai l'impression de faire... Oula. Pardon. La vache. Oula. Attendez, il y a encore un monsieur quelque part. Ah, voilà. Ça, eux, par exemple, quand on les tape, ils reculent pas trop. Donc, Et vous êtes combien? Ah, ça, c'est un bouclier. Ah, c'est dommage, je n'utilise plus les boucliers. Oula, bien failli m'avoir avec ce petit coup. Mais oui, j'ai l'impression que je recule, en fait. Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Ce que vous cherchez n'est sans doute pas loin. Je pourrais descendre par là. Devant. Ouais. C'est le moment d'amour. Rune droite. Essayez course. Ah, non, ça c'est des suicides. Ah non, c'est pas des suicides, ils ont sans doute raté leur...
Ils ont raté leur saut, sans doute. Oui, je vois que des runes 4, des runes 5, des trucs comme ça, ça doit pas être très courant en fait d'avoir ces runes-là. Alors là, j'ai plusieurs endroits où aller. Je me suis vraiment écarté de l'endroit où j'étais. Ah, mais je crois que je reviens. Je reviens où j'étais. Là, je vais déverrouiller. Voilà, et là, je suis revenu. Exactement, je suis revenu à mon point. Et là, il y aurait moyen de descendre. Il y a une chauve-souris géante là-bas. Et il y a des rats en bas. Je sais pas, j'ai envie en fait maintenant d'aller là où il y avait les pots. Ça c'est la cour principale. Ok, on va reprendre l'ascenseur et on va aller voir les pots, le scarabée et l'effigie sacrée sur le chemin. On fouillera un peu après. Hop, voilà, on remonte. Je sais pas si cette arme je continue à la monter ou pas. Parce que je sais qu'on peut monter les armes plus 25, mais est-ce que c'est vraiment utile de monter ça plus 25? Parce que ça prend vraiment beaucoup de... je vais... Ok, ça c'est fait. Toujours intéressant. En fait, quand je touche ce truc... Je comprends pas. Au début, je pensais que c'était ça me permettait d'utiliser mon invocation. Mais en fait, non. Du coup, je comprends pas trop. Ah. Ça, c'est juste un géant. Ah, là, par contre, il doit y avoir un boss. Donc, c'est parfait. C'est parfait, on va pouvoir se faire la saucisse là-dessus. Allez, c'est parti. Attendez, je vérifie. Combien j'ai de runes? Oh, 6000. Elles vont revenir ici les runes. Non? C'est quoi le message? Essayez sans éclat. Et là, est-ce que je vais pouvoir invoquer en fait mes minions? Ah oui, je peux. Ah, je pense que c'est le second boss obligatoire du jeu, ça. Mighty dragon. They're the true born heir. Mais c'est Margit. Lend me thy strength, O kindred. Deliver me unto greater heights. Well. Bah bon. Ben oui, c'est Margit. C'est Margit 2.0. Oula, 3.0. Qu'est-ce que c'est que cette horreur encore? Toute petite tête. I command thee. I am the lord of all that is golden. Ah. Je vais peut-être attendre de le toucher un peu. Ok. Ça c'est un coup qui va être dur à esquiver. Ah, ok, il prend pas de dégâts. Vous savez quoi? Ah oui, ça a été fait au très bon moment, ça, bravo. Ah, il le fait deux fois. Il le fait deux fois. Oh là 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 là. Non, non, non. Oh, ça va. Je me fais. Oh là là là. Ah oui, non, il a complètement détruit mes... mes minions. Hein. Oh là là. Oh, la longe de malade. Et les
dégâts à distance aussi. Ah, il a toute la panoplie. Hein. Oh, il va être infernal. Ah ouais, cette attaque-là, elle fait très très mal. Ah, trop tôt. Ah, il est infernal. Il est infernal aussi dans ses patterns. C'est ma dernière fure. Raté. Aïe. Aïe. Oulala. Oulala. Là il est très énervé. Bon bah c'est fini là, je lui ai enlevé, je lui ai presque rien enlevé. Ah, mort. Mort et là j'ai perdu 6000 âmes parce que techniquement si je ne le bats pas mes armes sont perdues. C'est la merde, j'aurais dû les utiliser parce que je sais pas comment je vais le vaincre. En tout cas, à ce niveau-là, je sais pas comment je vais le vaincre. Parce que... Ouais, mes âmes sont dedans. Donc je les ai perdues. Potentiellement, je les ai perdues. Hein. Celle-là, elle est très rapide. Hein. Celle-là aussi, elle est très rapide. Oh alors, elle est infernale. Non, je pourrais pas le battre. Je pourrais pas le battre maintenant, malheureusement. 4200. Il m'a aspiré mes âmes ou quoi? J'avais 6000. Bon, on va l'oublier, je pense. Je pense pas que je puisse le zigouiller maintenant. Il m'a l'air vraiment vraiment tendu. Il m'a l'air vraiment très tendu même. Quel enfer. Son pote. Ah là là, gourmandise encore. Il va être bien chiant aussi lui. Encore une fois, je me demande si je vais pas le skipper là. Il a tapé dans le. Allez, on peut peut-être l'achever. Aïe, le bras qui me dérange. Ah, c'est dommage, il était stun.
Ils sont horribles, ces merdes. Allez. Meurs, là. Bon. On va aller se promener un peu. Voilà, là. Si c'est le deuxième boss obligatoire de la trame, là, c'est... ça pique un peu, hein. Je pense qu'il y a quand même pas mal de boss qu'on peut faire entre-temps. Je lui fais pas beaucoup de dégâts. Ah, une graine. Je pense que j'en ai deux. Donc du coup, ça va me permettre... Ah, il y a des mobs qui volent, là, je pense. Peut-être passer par là. Voir ce qui se passe. Be proud. You were a fine warrior. Your only mistake was your choice of master. Let the winds lift to a higher place. Bon. Well, que tu as à me proposer. Tarnished, are you? Clearly not one of Godric's lot. I am Nefeli Lu. Toujours les mêmes armures. Tarnished and warrior, like you. I'm here by decree of my father. How utterly repellent this is. This grafting of Godric's ill befits a lord. He's tainted the very winds. C'est tout. If you intend to challenge God, I ask you call upon me. The winds run foul. I'm certain father would permit me. D'accord. Bon, on verra quand Godric sera là. Du coup, ça là. Ah, ils m'ont envoyé du truc. Je sais pas si je l'ai touché, je l'ai pas touché. Oh là 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 là, ils me crachent à la gueule et ils m'enlèvent plein de vie. Ah, les saletés de volant là. Je peux pas les toucher. Mais c'est quoi cette... Oh là là, l'enfer! Mais ce truc est horrible! Ah non mais... Ah non mais je vais vous kiffer. Oh là 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 là. Je vais crever ici. Mais je leur donne un coup et puis ils essaient. Oh, quelle plaie! Ah, et toi en plus qui t'y met derrière là? Ah, c'est infernal, il y en a un deuxième là-bas. Oh, non, non. Oh, et vous donnez de la merde en plus. Ah, j'ai pas envie de... Oh. Oh là là, il me brûle le cul. Il va me tuer. Il va me tuer. Il va me tuer. Voilà, il me tue. Je peux le tuer s'il te plaît. J'ai envie de voir un petit peu ce qu'il y a après. Parce que j'ai plus de potions, j'ai plus rien. Mais je suis revenu. Oh mais j'ai fait le tour en fait. J'ai complètement fait le tour. Donc ça veut dire que... C'est quoi ça? Ça veut dire en fait que je peux plus aller bien loin dans le château si je ne bourrine pas la deuxième forme de Margit. Ça augure rien de bon. J'ai pas été voir les pots. Petit niveau, bah non, je peux pas. J'ai plus que 2000 âmes puisque Margit a tout pris. J'ai pas été voir les pots, il y a peut-être des trucs intéressants. Ah, sinon j'aurais pas le choix, il va falloir que j'aille me vadrouiller encore pour récupérer du stuff un peu. Parce que là ça va être trop long, je veux pas tryhard pendant une heure non plus sur le boss. Surtout que je sais qu'il y a plein de boss que j'ai pas encore fait dans la zone d'avant. Faut juste les trouver en fait. Là je vais retourner voir les petits pots, à gauche ici, j'ai pas encore été voir. Il y a un truc là-bas. Ils ont pas l'air bien méchants hein. Ah si, il me course quand même. Oh, il y a le roi des pots ici. Ah, et le roi des pots, évidemment, il va pas aimer que je tape sur ses petits. Qui peut me le faire comprendre. Voilà. Ah, esquive encore un peu. Ok, il y a deux petits trucs intéressants par contre là. Oula. Allez, encore un coup. Voilà, le roi des pots est mort.
a tué ses petits mignons. Lui s'en battait un peu les couilles de ce qui se passait. Ok. Ah, par contre, attention, il y en a trois ici, je pense, qui vont se réveiller. Ah, il m'a donné une petite patate quand même, hein, une petite claque. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a un pot fissuré, ça c'est des trucs, je pense, pour envoyer à distance. Et un deuxième pot fissuré, bah oui, pourquoi pas. Et c'est à peu près tout. C'est à peu près tout ce qu'il y a d'intéressant. Bon, bah, je pense qu'on a fait le tour. Peut-être un boss caché dans la zone, que dans le château, que j'ai pas vu. Ouais, malheureusement, bon, bah... j'ai quand même vachement la sensation que la suite de l'histoire, c'est par là. J'ai vachement la sensation que là, je pourrais pas le passer avec mon niveau actuel. En fait, ce que j'ai l'impression, c'est que je lui fais pas de dégâts. J'ai l'impression que je le chipote encore. Je chipote un peu. Ah ouais, non, ça sert à rien. C'est quoi qui est... Ah, mais je pourrais invoquer, d'accord. On va le faire, alors. On va invoquer l'allié. Ça sera peut-être un petit peu plus jouable. Ou pas, remarque. Ah, et mon invocation est là, malheureusement. Ah, je vais peut-être... Je vais tout balancer d'une shot. Hein. Là, je vais balancer mes invoques aussi. Oh là 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 là, c'est infernal! J'ai fait un peu de dégâts, mais c'est pas fameux. Oh là là, cette attaque-là, elle est horrible, hein. Il a déjà tué... Ah non, il a pas encore tué. Ah, il fait des gros dégâts. Il fait des très gros dégâts. Et moi, je le touche pas. Mes attaques chargées sont beaucoup trop lentes, en fait. J'ai plus de... Ah, je l'ai eu. Ah ouais. Qu'est-ce qui se passe? Ah, deuxième fort. On aura au moins vu la deuxième forme. Il va m'attaquer avec sa gueule de dragon. Ah, il va cracher du feu, ça va être horrible. Ah, il s'est cru dans Mad Max. La vache! Ah, j'ai mouru. Ah non, j'ai mouru. Il me restait 4 fioles, je pouvais le jouer. Je pense que je pouvais le jouer. Je pense que je pouvais le jouer, même si j'allais perdre mon invocation. Alors, peut-être que je devrais le jouer. Je devrais peut-être pas invoquer, en fait, avant qu'il passe en deuxième forme. Je devrais peut-être pas invoquer mes minions avant qu'il passe en deuxième forme. Quand il passe en deuxième forme, peut-être qu'à ce moment-là...
Ah, il a fini par me toucher. Ah là 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 là, cette attaque là, je l'ai pas vue. Ok, là je l'ai mis en deuxième forme. Est-ce que je peux passer? Oui, je peux passer. Ah, j'aurais peut-être dû invoquer mes minions après qu'il ait fait ça. J'ai quand même me heal. Allez. Ah non. Recule, recule. Ah là là. Il est pas loin. Hein. Oh la fuck! Oh enculé! Ah je l'ai presque. Je l'ai presque, j'ai presque. Ouais, je l'ai presque, j'ai presque. Ah là 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 là. Finalement, il y a peut-être moyen. Finalement, il y a peut-être moyen en poussant un peu. J'ai compris un peu son pattern. Évidemment, ce qui est compliqué, c'est d'arriver à la deuxième phase en prenant pas beaucoup de dégâts. Bon, on va laisser faire, je pense, les... Ah, celle-là, elle est impossible à savoir parce que, étant donné que je ne vois pas ses patterns, en fait. Et encore une fois, regardez Nefer. Regardez mon allié là-bas. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qu'il fout, mon allié? Ah bah on peut recommencer le combat là. Bon bah ouais, mais mon allié est bloqué. Regardez, hop, il bouge pas. Qu'est-ce que tu fais, Guignol? Mais sérieux, mais c'est pas possible de voir ça. Elle engage même pas le combat. Bah ouais, mais le combat là, il est foutu quoi. Il est foiré complètement à cause de ça. Il est complètement foiré à cause de l'allié qui a rien branlé dès au début. Oh là là. Cette attaque est dégueulasse aussi. Oh, je perds. Là, le combat est fini. Je trouve que je fais presque pas de combat en plus. De dégâts en faisant ça. Ok, je vais esquiver ça et ensuite je vais faire le truc. Ah mais j'avais pas vu. Dernière potion, je l'aurai pas. Ouf.
tuer. Il a tué tout le monde. C'est dommage parce qu'il lui manque pas grand chose, sauf que là, bah, j'ai plus de potions donc. Ah, le coup là, de la gourmandise. Ah, ouais. C'est fini. C'est fini. C'est dommage, hein. C'est dommage parce qu'il est vraiment pas loin. Là, je peux pas l'avoir. Ça, je sais même pas comment je peux l'esquiver. Ah! C'est le début du combat qui m'a mis dedans à cause de mon allié, de mon invocation qui a fait que de la merde. Hein. Tu l'invoques, mais il reste à la porte. Donc, bah, c'est emmerdant, hein, évidemment. À quoi ça sert de l'invoquer s'il reste à la porte? À quoi ça sert de l'invoquer si dès au début du combat, il ne fait rien? Il ne fait rien. Ou alors, faut rester quoi? Faut attendre ici avec lui? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il attend? Je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Cette attaque-là, elle est infernale! Elle est infernale parce qu'elle n'est pas esquivable! Oh là là, il m'emmerde avec ses patterns de chiottes! C'est fini. Je perds beaucoup trop de vie. Oh, ta mère. Je commence à être vraiment salé. Parce que je trouve que par moment il a vraiment des patterns abusés. Et là je l'ai esquivé dessus. Esquive-le! Esquive-le! Mais pourquoi tu fais pas l'esquive là? Non. Tu m'étonnes. Oh là là! La feinte qu'il me fait! Ah, je suis mort. Ah, ça s'est très mal passé. Ah, la feinte! Ah, la feinte de l'enfer. Mais attends, j'ai pas de graines. Je peux pas me remettre une fiole de plus, moi? Au moins ça m'en fait 8 comme ça. C'est vraiment le... Ouais, puis surtout, ça serait cool que l'invocation de l'allié. Ça serait cool en fait au début du combat que l'allié, il vienne plus vite. Il met trop de temps là, c'est infernal. Commence directement par cette attaque là.
Oula! Il y a un bug. Ici, vas-y. Je sais pas ce qui s'est passé, quand il était en l'air, il y a eu comme un bug, j'ai l'impression. Là, je sais pas comment l'esquiver celle-là. Je sais pas comment l'esquiver. Mais c'est quoi ça? C'est quoi qu'il vient de faire comme attaque ici? Il vient d'enchaîner je sais pas combien d'attaques de merde. Oh là là, il m'a mis... Ah, il a tué tout le monde en plus. Il a tué tout le monde. Ah ouais, il a tué tout le monde en deux attaques. Je ne comprends pas. Non mais il a flingué toute mon équipe. La première partie s'était passée à la perfection et il a décidé de flinguer toute mon équipe en 3 attaques quoi. Alors, oublie ça. Quel enculé. Quel enculé. Oh là là, oh là là, le temps de... Oh mais là, je suis mort. Mais c'est hallucinant comment les patterns peuvent varier d'un combat à l'autre. Quoi. La première phase, il a rien fait. J'ai réussi à le gérer à la perfection. Et dès le début de sa deuxième phase, il m'a complètement défoncé. Il a enchaîné tout. Il a tout enchaîné. Mes minions, il a tout enchaîné. Sans aucune raison. Alors que le combat juste avant, il faisait rien en première partie de combat. Je comprends pas. Les patterns sont tellement variables là que tu peux rien gérer. C'est juste horrible. Et là je suis obligé d'attendre comme un glandu près de la porte. Oh là là, je fais des esquives de merde ici. Et cette attaque-là, j'ai l'impression que tu peux pas la l'éviter. Esquive-le. Ok, faire attention parce que c'est mon endurance aussi que je surveille pas en fait. Oh là là, elle a fait tellement mal celle-là! Sans raison. Comme toujours, cette attaque-là, inévitable. Comment tu l'esquives, cette attaque de merde? Cette attaque de feu, tu l'esquives comment? Donne-moi la possibilité de le faire. Et là, c'est pareil. Il m'a tué. Il nique tout le monde. Voilà. Il a tué l'autre, là. Mais pourquoi il s'énerve comme ça maintenant? Il s'énervait pas comme ça dans les premiers combats? J'avais réussi à le chain.
Je comprends pas. Ah, et en plus, il fait des feintes pour les attaques, c'est horrible. Ah, je n'enlève plus rien en plus, j'ai l'impression. C'est marrant. Ah, tu m'emmerdes! Sérieux! J'ai... Ouais, ouais. Ah, saloperie de merde, connerie de putain d'enculé. Quel connard. Quel connard avec ses patterns horribles. Ah putain, j'avais pas envie de passer une heure dessus. Il y a moyen, mais le problème en fait, c'est qu'il faut qu'il arrête de... En deuxième partie de combat, c'est soit il est infernal, soit il se calme et on peut le jouer. Mais s'il est infernal dès le début, je peux pas, parce qu'il dégomme tout le monde et je me retrouve tout seul contre lui comme un con. Ah ouais, là, le combat qui commence comme ça, ça m'énerve aussi. Ah, l'autre con a décidé de rien faire. Voilà, ça. Ah, et je fais la bombo. Et puis l'autre conne là que j'ai invoqué, elle fait quoi? C'est quoi cette invocation de merde qui se touche à la porte pendant 2 heures? Voilà, et comme toujours, on commence le combat par ça que je peux pas éviter. Ah, il m'a fait tellement mal. Sa mère, quoi, ça me fait chier, c'est quoi ça? Ah, oh, cet enchaînement de malades qu'il a, et évidemment les parades qui passent toujours au mauvais moment. Son début de deuxième phase est horrible. C'est horrible, je comprends pas comment ça peut être dégueulasse à ce point-là. C'est vraiment dégueulasse, sa deuxième phase, le début de sa deuxième phase est vraiment dégueulasse, mais vraiment dégueulasse. Ah, c'est vraiment horrible, là, ça m'énerve vraiment, ça me sale de ouf. Ah, il a tellement d'attaques et encore une fois mon allié qui se touche de ouf là-bas. Qu'est-ce que tu fais? Mais à quoi ça sert d'avoir une invocation si elle se touche la... Regarde là la porte là, cette espèce de grosse truie. Nom de Dieu. Ah, tu me fais chier. Regarde là, qu'est-ce qu'elle fait? C'est quoi cette invocation? Mais c'est quoi cette invocation? C'est quoi? Regarde, elle bouge pas. Mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Qu'est-ce que tu fous? Regarde ça, maintenant elle vient. Maintenant elle vient. Mais sérieux, mais codez vos invocations correctement si vous les mettez dans le jeu. Oh, j'en ai marre. J'en ai plus que plein le cul, quoi. En fait, j'ai l'impression juste que j'ai pas assez de... Le niveau est trop bas. Et là, je sais pas où je dois aller.
Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais Nephi là, là? Oh, comment il me chope! Ah, quel sale. Ah, quel enculé! J'ai plus d'invoque, j'ai plus rien. Ah non. 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 Non, non, c'est trop injuste. Non, c'est trop injuste, je refuse. Je vais me rendre dingue. Ça, je vais péter un câble. Ah, ah non. Oh. Ah, le seigneur des Caplans existe. Ah, c'est pas possible. J'ai perdu toutes mes âmes, mais je m'en bats les steaks. Ça a pas fait que ma journée, ça, ça a fait mon mois. Ah oui. Ah, c'est... Oh là là. Ouais, il me restait deux potions, mais là, non, ça, c'était impossible. C'était impossible que je ne le botte pas. C'était impossible. Oh là là. Ah, le sel. Ah, le sel, là, je suis pas que sel, et là, je suis poivré. Ah, il m'a donné 15 000, donc je vais... Allez, encore un peu de vigueur. Allez, bah, je pense que... je vais avancer un peu, faut voir ce qu'il y a après. Ah ben bah, il y avait un lieu de grâce ici. Quel salage total. Finalement, je suis en train de me demander si mes minions sont si forts que ça là. Je pensais vraiment que ces minions là étaient intéressants, mais force est de constater qu'ils prennent tellement cher. Que... Oh, hello there. This weasel was... Godric was always looking down on me. Ah, ça c'est un de ses morceaux. He got what he bloody deserved thanks to you. I tell you though, what goes around comes around. Oui, il m'a quand même bien refait les fesses. Hein. Là, je vais pas être, je vais pas me la raconter trop parce que franchement, ça se joue à un poil de rien. Bah, je suis ravi que ça t'amuse parce que je me suis pas trop amusé. Ah, quelle horreur. Ah, si j'étais mort, là. Si j'étais mort sur celui-là. Je vais pas mentir et dire que je commençais à comprendre ces patterns, parce qu'ils sont tellement aléatoires que... Après, ça me conforte quand même dans l'idée de jouer à deux mains, parce que j'ai quand même l'impression que même si j'avais joué avec le bouclier, j'aurais rien pu faire. J'aurais rien pu faire, à moins de vraiment maîtriser les parades à la perfection. Ben, déjà, je maîtrise pas les esquives, alors maîtriser les parades, c'est mission impossible. C'est juste mission impossible. Hop, voilà. Enfin.
On va aller à gauche. On va aller à gauche. Où est-ce que je suis d'ailleurs? On commence à avancer bien dans le château. Je me demande même s'il reste pas que juste un boss. Peut-être le boss de la fin du niveau. Bon, qu'on ne fera sans doute pas aujourd'hui, parce que là. Ouh! Quelques FPS en moins. Au moins j'ai libéré la zone d'après qu'on va pouvoir. On va pouvoir explorer un peu. Là, on sort du château, j'ai l'impression. D'accord. Ah. Ça n'a pas l'air d'être bien, de s'être bien passé pour lui. J'ai un peu juré dans le combat, mais là, faut comprendre. Là, c'est vraiment. C'était vraiment d'actualité, là. Je m'en suis pris à tout le monde, là, même à l'invocation là. Mais faut quand même. Voilà, on est sorti du château, donc de toute évidence, ouais, ça c'est une quelque chose que j'avais déjà vu. Donc de toute évidence, je pense que en fait, Margit, je crois que c'était le boss final peut-être du château de Voie l'Orage. Mais ouais. Non mais l'invocation, ça m'énerve aussi parce que franchement, je comprends pas comment ils peuvent la coder pour qu'elle reste à la porte comme une teubée pendant les deux premières minutes du combat. C'est sûr. Finalement, on va aller du côté droit pour voir s'il y avait quelque chose. Bah, sinon, bah, on va continuer. On va continuer la zone. Mais c'est ça. Si j'y rase, c'était vraiment contre l'invocation la dernière phase parce que ça m'énerve en fait. Parce que tout ton début de combat est foiré à cause de ça. Que tu gâches deux potions de soins sur le boss parce que ton invocation est en train de se toucher. Ah bah il y avait rien ici. Bon bah il y avait rien, mais je pense qu'en fait... Comment t'es mort toi? Chercher levier. Quelque chose ici, un levier qui est caché peut-être derrière des pots. Non, là c'est juste des messages, donc peut-être que le levier n'est pas dans cette zone-ci. Non, c'est la tâche de sang. Oui, peut-être juste pas, hein. C'est peut-être juste des trolls. Bon, ben on sort du château, je pense. Je pense qu'on sort du château et... tiens, c'est bizarre, c'est quoi cette petite luminosité que j'ai là? Et on va continuer tout simplement notre petite aventure. Oui, je pense qu'effectivement, c'était le dernier boss du château. Objet derrière, oui, mais je l'ai vu. Ouais. Jambes en vue. Oui, effectivement, je pense que c'est terminé pour le château. Donc, on peut continuer un peu sur... j'avais déjà été ici. Donc, je ne sais pas. Mais c'est clairement la suite de la zone. C'est clairement la suite de l'histoire, en tout cas. J'étais ici. Ouais, mais j'étais dans cette petite clairière. Oui, ici, il y avait des ennemis qui revenaient à la vie. On va essayer de trouver la carte de la zone. Là, il y a un camp. Un camp que j'avais déjà fait, d'ailleurs. Ouh. Ah oui, ouais. Ah, il m'a raté. Ah, toi, tu m'as pas raté. Ah, c'est bon. Bon, on va nettoyer la zone, du coup.
Ah, t'es bugué, toi. Ouais, on était déjà venu. On avait déjà fouillé dans les premiers épisodes. Et du coup, peut-être que ça va me donner... ça va me donner les meilleurs équipements. Il est temps, hein. Il est vraiment temps que je commence à choper des... du meilleur stuff. Que là c'est vraiment les tenues c'est les équipements de début de jeu que j'ai là, c'est les équipements que tu lootes sur les premiers ennemis. Paix droite seigneurale. Parce que moi je joue vraiment pour avoir de la résistance, ce que je n'ai pas. C'est la robustesse qu'il me faut, donc du coup, ben bah, oui, techniquement, la tunique ici, c'est ce qui me protège le mieux encore. Épée seigneurale, il me semble d'ailleurs que, ouais, j'en ai quelques-unes des épées seigneurales, c'est pas ce qu'il y a de plus rare dans le jeu. On va peut-être prendre le canasson. Et ouais, on va aller jusqu'au prochain lieu de grâce que j'avais déjà trouvé. Alors j'ai pas trouvé la carte par contre, mais elle est peut-être plus loin la carte. Et on a une nouvelle zone. On a une nouvelle zone tout simplement ici. Là je pense qu'il y avait un copain. Mais je sais pas si le copain il me donne des trucs intéressants. Une lanterne que j'ai déjà. Une épée des stocks. Ça c'est clairement pas pour moi. Les boucliers que j'utilise plus, bah ouais, mais ils vendent pas grand chose. Par contre moi je peux peut-être lui vendre des trucs. Au niveau de mes équipements, peut-être des trucs que j'ai en double. Genre ça. Ouais, y a pas grand chose que j'ai en double en fait. C'est beaucoup des armes uniques en fait dans le jeu. Même les boucliers, j'ai pratiquement rien en double. Je vends mes doublons, comme ça ça me permet d'être sûr de pas vendre des trucs... ouais alors ça c'est quand même franchement de la merde. C'est vrai, j'ai des nouvelles runes. Enfin, j'ai pas des nouvelles runes, mais améliore le coût final des enchaînements d'attaques, ce que je n'utilise pas beaucoup. Améliore les contre-attaques. Améliore les attaques chargées, ça pourrait être intéressant. Améliore les cris et les souffles. Celle-là, j'aurais peut-être dû la mettre sur le boss, oui, effectivement. Augmente la vigueur, l'endurance, la force et la dextérité, mais également les dégâts subis. Ah, ouais, effectivement, je gagne... C'est cheaté ça, non? Après ça dépend des dégâts que tu prends. La vigueur, l'endurance, la force et la dextérité. Je gagne 3 points dans tous ces domaines là apparemment. Mais ça dépend aussi, comme je dis, ça dépend des dégâts que tu prends. Déjà je vais prendre ça parce que les attaques chargées j'en utilise beaucoup. Je sais pas, pour l'instant je vais rester comme ça. Pour l'instant, je vais rester comme ça. Alors toi, c'est plus la peine de te mettre. Ça, je l'utilise pas. Je vais juste garder ça comme ça. Voilà. Le problème, c'est que pour les invocations, c'est quand même celle-là que je trouve qui est la plus intéressante. Parce que ça, c'est pourri. Ça, c'est vraiment pourri. Ça doit pas être terrible. Et le chien, je suis pas sûr qu'il est très utile. Donc, bon. J'ai 6000 âmes. Je pense qu'on va s'arrêter là. On va s'arrêter là. Je suis bien content d'avoir passé ce boss là. Je pensais pas du tout le passer ici. J'ai ragé un tantinet. Je m'en excuse, mais faut comprendre que ce jeu est quand même ignoble. Sans pitié. Ok, eh ben on va se laisser là. Et puis on se reprendra très très vite. Donc prenez soin de vous. Et puis à la prochaine. Allez, tchuss.